Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 7 End of Zoé. Et bien évidemment j'espère que vous avez passé un bon réveillon et un excellent Noël. Merci à tous d'avoir participé aux commentaires tout simplement. Je vous ai posé une question, est-ce que vous voulez voir du Resident Evil 0, du Resident Evil 1 et compagnie? Et vous étiez très nombreux à demander la suite, donc clairement, grâce à vous, je vais mûrement y réfléchir. J'ai une nouvelle question pour vous, maintenant, c'est tout de suite. Dites-moi un petit peu ce que vous avez eu comme cadeau et dites-moi si vous avez été déçu pour certains ou si vous êtes bien évidemment entièrement satisfait. Quoi qu'il arrive, l'important, c'est le geste et c'est l'amour évidemment qui en ressort. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Je vous préviens d'avance, cette vidéo risque de ne pas durer très très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et si je veux qu'elle sorte aujourd'hui, ça risque d'être terrible. On dirait on dirait un faux prank le truc. Tu sais, il est en plastique, frère. Oh, mais c'est des bâtards. Mais il est en plastique, c'est vraiment des bâtards. Bien joué, eux. Ok. Ok. Si je fais ça, je vais essayer de lui amener. Non. J'essaye de lui amener son frère. Tiens, gros, c'est ton gamin. Ça le touche, il s'en bat les reins. Oh putain. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai fait le malin. Il me mord quoi? Ah, il me mord l'estomac. Il me coupe en deux. Il me tranche littéralement. J'ai fait le malin, j'ai eu très très peur. C'est un crocodile, ça réagit très rapidement les gars. Personne n'était prêt, vous n'étiez pas prêt. Je n'étais pas prêt, on n'était pas prêt. Bref, on est parti, j'aimerais bien que cet épisode dure au moins 20 minutes. Mais voilà, 30 ça risque d'être compliqué. Avec le temps de rendu, bah forcément, qui quasi double. Ça risque d'être assez dingue. Ok. C'est pas en faisant le con comme ça qu'on va arriver à faire une vidéo assez courte. Mais au moins, est-ce qu'on a pas rigolé? Vas-y, tiens, hey, bouffe ton gamin là, enculé. Culé de mort. Ok, on peut passer par ici. Je ne suis jamais passé par ici, sachez-le. Il y a une lance d'ailleurs, d'accord. Il y a une lance au cas où j'avais pas assez de lance. J'avais tout utilisé sur le boss précédent. Ils en redonnent une à chaque fois pour pas bloquer le jeu. Parce que je suis donc quasi obligé de l'utiliser, je suppose. Pour avancer, parce que si je serais passé par ici, il m'aurait mis ce que je méritais. Ok, on a un frigo. Un frigo vide. C'est chiant, les gars. Putain, mais les marécages. Qui habite ici là, pour qu'il y ait autant de cabanons et tout? La ferraille. Ouah, mec. Okay. C'est assez terrible. Ok, on a un micro-ondes. Peut-être un truc sympa dedans. Une langouste. Putain, on a masse langouste. Les gars, là, on a de quoi se faire un petit réveillon de fin d'année assez incroyable. Mais où vont mes langoustes, en fait? Où vont mes langoustes? J'en ai aucune fichue idée, les gars. J'ai des langoustes, je ne sais pas où elles vont. Une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose par ici. Oh, mais c'est la torche. Ok, waouh, les gars, c'est compliqué. Yo, frérot. D'accord, on a des petites passerelles pour faire une pause entre-temps à chaque fois. On va passer par ici. On repassera par là. Vous venez vers moi, monsieur? Non, c'est pas possible. On dirait qu'il a des directions totalement aléatoires. Ce n'est donc pas un One Direction. Ok, doucement. Doucement. Doucement, petit. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai été dresseur dans le Connecticut de crocodile. Ah, mais montre. Oh. Non, mais j'ai des... Non, mais qu'est-ce que... Pourquoi tant de langoustes? Ok, c'est le même crocodile. Monsieur, c'est du harcèlement que vous me faites là. Ah non, c'est un deuxième. C'est un deuxième, forcément. Pouvons-nous... Il y en a un qui a disparu ici. Il a totalement disparu, je cavale. On va essayer de ramasser cette petite... Wow. Ok. Alors, on a quelque chose là-haut, mais on a aussi quelque chose là-haut. Je suppose qu'il faut aller là-bas. Ok, on dirait qu'il ne peut pas y avoir plus de deux crocodiles dans un lac. Peut-être une histoire familiale, finalement. Ah. Voilà. C'est pas grave, j'utilise une...
Oh putain. Ah putain. Encore tout ça pour une langouste. Tout ça pour une putain de langouste, les gars. Et on a quelque chose là-bas. Ah mais non, mais c'est. On peut y aller à pied, très bien. Ok. D'accord, c'est incroyable. J'aimerais bien save, mais je vais prendre ce que je mérite. On va rentrer là-dedans, je suis sûr. Oh là là, c'est vraiment des bâtards. Régalez-moi. Oh, une poupée champion, ça me régale. Ça me régale. Je rappelle que les poupées champions, c'est 5% supplémentaire de force physique. Bien évidemment, tout boxeur, c'est ça. On va passer par ici. On va pouvoir traîner à pied. Ah, je pouvais passer par ici aussi, d'accord. Très bien. J'avais donc ce qu'on appelle un double rotor. Double rotor, c'est double solution pour deux fois plus de plaisir. Donc on avait un double rotor. J'ai utilisé sûrement le chemin le plus compliqué, mais le plus worth it. Oh la vache. Il va y avoir de la bagarre. Il va y avoir la bagarre. Ok, point de save les gars. Qu'est-ce que c'est? Oh les langoustes. Les gars, c'est terrible, je sais pas quoi faire des langoustes, moi les gars. Moi j'en peux plus, j'ai 13 kilos de langoustes et j'ai déjà oublié à quoi ça sert. Ok, je me suis fait une lance. Je peux pas me faire, j'ai pas assez de produits chimiques. Très bien, on va attendre un petit peu. Le coffre, on l'a déjà dit, ça sert pas à grand chose. Une bombe artisanale. Une bombe binette. Je prends volontiers. Ok, c'est flèche du bas. Et c'est parti, on va save les gars. Et on continue. Très bien. Chemin pas trop compliqué. J'ai fait le con hein, en début d'épisode. Et les gars, c'était Noël. Un petit coup de croc, ça fait jamais de mal. J'ai fait le con, mais finalement, on est plutôt très très bien sorti pour la suite de nos péripéties. Quoi? Calmez-vous, les gars. D'accord. Je peux prendre des raccourcis. Ça, ça va s'effondrer, ça va se casser la gueule. C'est une terrible histoire. Ça, ça va pas tenir. Ça, ça va pas tenir. Ça tient totalement. Mais alors, on a quoi en bas? Il y a forcément un truc en bas, non? Il y a forcément des trucs cool. Ça serait trop beau qu'il n'y ait rien. Ah! C'est bon, j'ai paniqué pour rien. J'ai vraiment cru que j'étais à deux doigts de tomber. On a quelqu'un. Allez, ça dégage. Oh là là, regardez, regardez. C'est ce qu'on appelle un main-bouche. Il y a le pied-bouche. Le pied-bouche est très difficile à faire. Il faut maîtriser le taekwondo au niveau supérieur, évidemment. Mais on a le main-bouche qui est très efficace. D'ailleurs, sa tête est partie direct. Ouah. On s'occupe de l'écraser, c'est terminé. Ah! Quoi? C'est bon ça, ma bouche! Mec, lâche le morceau! Tu es mort par KO! Allez, ça dégage. C'était compliqué. Bon, j'ai été un petit peu touché. Rien d'alarmant. Enfin, si, quand même, un petit peu finalement. Parce que mon écran est bien sale. Qu'est-ce qu'on a là? Remettre contre l'infection. Donc ça c'est pour Zoé, on va éviter de le consommer les gars. Je vais me soigner. Je vais me soigner. J'ai été bien touché. On récupère notre full life. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens donc. J'essaye de localiser une poupée d'ici, je ne vois rien. On a peut-être rien, hein. On a peut-être rien. Il suffit juste d'y aller. Hein. J'ai pas l'impression que mes poupées ça fasse quelque chose. Hop, un petit peu de gauche. Pour pas abîmer que le point droit. Ok. On a quoi là? Il y a forcément des trucs cool en bas. Forcément des trucs cool. Oh la vache. Damn. On a des trucs cool les gars. Ok. Ah, je suis tombé. Ah. Ah, je suis retombé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Lui n'est pas dangereux. Je m'y connais en croco. Je vais garder la lance si ça vous gêne pas. Ça dégage. Ça dégage très très vite. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On récupère 3 lances en échange d'une. Et en plus de cela, 2 caisses. Yes! Une poupée boxeur. Et une branche d'arbre. Ça a été mon rêve de gosse d'avoir des branches d'arbre. Je reprends exactement le même chemin, j'ai rien à foutre. Chacun ses problèmes. Chacun ses défauts. Lui, il est pas dangereux. Ok. Impeccable, les gars. Impeccable. Ça valait clairement le coup
N'ayons pas peur. Des mots, pardon. Plaît-il? Plaît-il? Est-ce que quelqu'un traîne par ici? Oh. Quoi? Moi je rigole, frère. Ah! Oh putain, non! Non seulement il m'a blessé, mais il m'a fait tellement peur! Je m'attendais pas à un rampant. J'ai deux trucs là de l'autre côté. Allez, ça dégage. Ça dégage, c'est ma phrase. Ah! C'était quoi? Mais non! Aïe aïe aïe, coup dur pour le joueur italiano-portugais, israéliano-francophone. Ça fait mal, les amis. On est reparti. Oh, je dois repartir direct du point de sauvegarde. Oh, le coup dur! Le coup dur, on retrace, les mecs. Oh, bah, les gars, je vais refaire tout le chemin. Mais, on va switcher. Ah, bah, je suis la pire des merdes. Adieu. Adieu, my friends. Oh, je suis en train de drain un crocodile. Ah! Bon, allez. Je sais même pas marcher droit! Ah, mais joyeux Noël à vous, les gars! Oh, vous êtes un enfer! Ok, c'est parti. Là, il faut bien slalomer. Oui, parce que entre temps, j'ai coupé, vous ne l'avez pas vu, mais je suis tombé ici et un crocodile m'a bouffé. C'était terrible. Allez, ça dégage. J'ai les deux à refaire. Allez, ça dégage encore une fois. Tu veux peut-être te relever, non? C'est bon, je préfère. Voilà. Voilà, ça dégage. Voilà, ça dégage. Ah quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est le coin bouche qui part pendant que je regarde sur ma gauche. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Trop d'animosité entre nous, ça va pas du tout. On va passer une nouvelle année, il faut penser à oublier tous les tracas du quotidien, pensez à offrir et vouloir offrir de l'amour avant de toujours se battre. La bagarre, c'est pas bien, les amis. Sachez-le. Allez, les gars, c'est la porte la plus résistante que j'ai vue de ma vie. On est parti. Juste un crocodile. Heureusement qu'il pop au même endroit. C'est pas ici. Allez, c'est bon. Je vais pas comprendre vos conneries, j'ai déjà dit. On est reparti, c'est pas grave, vous savez quoi? Quitte à faire une courte vidéo entre guillemets, autant tout vous montrer. Je n'ai rien skippé. Et je vais encore mourir si ça se trouve au même endroit, et là ça sera terrible. Là ça sera terrible pour le joueur franco-italiano. Ok, on continue, ça va les gars? Sachez que depuis que j'ai pris cette habitude de toujours me mettre un milliard de nationalités, il y a des gens qui viennent y faire. Mais Mr. B-Boy, mais je ne comprends pas! Mr. B-Boy, tu es vraiment italien? Non, les gars, d'accord. J'adore l'Italie, je mange des pizzas, les gars, donc, et j'adore les tortues ninja, qui mangent eux-mêmes des pizzas. Donc, s'il vous plaît, ne paniquez pas. Ok, ça c'est fait. On a quelque chose par ici. Je sens qu'on a quelque chose par ici. Non, ça c'est pour tomber direct ici, mais c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Par contre, non, c'est totalement pas intéressant. Ça serait totalement con. Ok. Tu veux te battre? Non. Il est totalement... Il est bourré. Il est bourré, ça. Il est où, là? Il n'y avait pas un rampant? Vas-y, là. Viens, mon frérot. Il n'y avait pas un rampant, là? Oh, il est là. Voilà, ça dégage. Et toi, c'est combat d'homme à homme. Ok, je me suis pas fait avoir deux fois. Hein. Les gars, notez-le. Encore. Notez-le. Sûrement le meilleur move qu'on ait vu ces 40 dernières années. Je suis tombé dans un piège, mais je ne tomberai pas dans deux pièges. Ok. Produit chimique, c'est pas mal. On a... Oh la vache, de l'autre côté, Maté. Il y a des trucs à prendre. Il y a des putains de... Oh, damn. Ok. C'est pas grave, les gars. Est-ce qu'on va pas se faire par hasard des petits soins? Ça me paraît cool. Voilà.
Je suis sur un 5 lances du côté du joueur. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Peut-être une langouste, mais... À quoi servent les langoustes? C'est juste des bonus, des trophées? À quel moment une langouste est un trophée? Non, monsieur. 1, 2, 3, et c'est toujours 4! Et c'est un KO. Ok, maintenant, j'ai appris à toujours faire le tour de l'adversaire avant de le mettre KO. Il va se retourner ou pas? Attends, t'as la tête en moins, mec. Abuse pas. Ok, c'est parti, on peut continuer. Les gars, ils sont marrés très... comment dire? Oh. C'est qu'à mon avis, il va y avoir du croco, hein. Il va y avoir du croco, les gars. C'est moi qui m'occupe de vos cadeaux de Noël, hein. Tout ce qui est marque à crocodile, c'est pour moi, je régale. Ok. Les deux boxeurs, encore une fois. On apprécie. Là, je dois bien être à peut-être 15-20% de bonus. Ça, ça va s'écrouler, ça, non? Voilà. 1, 2, 3, et ça dégage. J'ai utilisé une lance, j'aurais peut-être pas dû. Je les connais, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais c'est pas grave. Ah! Patate réflexe! Oh là là! C'est parti très vite. J'ai vraiment pas. Je ressens pas les poupées. Je ressens pas la puissance des poupées, je ne la sens pas. Je vais être totalement honnête avec vous. Je sens pas, mais 20% en plus. Il me faut toujours un même nombre de coups. Si je. Non, non, je rigole, frère. Arrête! Oh là là, c'est terrible! Ah bah là, les... Non, 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 là, les gars, on va faire une transition, les gars. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis au fin fond de ma vie. Ça va pas du tout. Là, ça me fait mal. Là, ça me fait mal. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, on y va. Oh, c'est des salauds, hein. C'est des salauds, hein. J'ai pas payé pour ça, moi, les mecs, hein. J'essaye d'économiser des heals, même si j'en ai pas mal, me dire. Hmm. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, viens, poteau. Allez, viens, mon gars. Mais regardez le nombre de coups. Le nombre de petits coups qu'il faut. Ça, c'est terrible. Voilà, il y a deux jambes en moins, celui-là. Voilà. Bon, par contre, quand t'as le coup, c'est vrai que tu sens une petite différence, bien évidemment. Aussi bien artistique que technique. Mais là, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est chiant, c'est bien compliqué. Ok. Ah! C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr, non! Je suis tombé pour elle. J'ai les yeux que pour elle. Allez, d'accord. C'est chiant, tu m'as compté à vivre. Oh. À la base, on est là, on est en toute amitié. Bon, faut que je tue Mistinguette, là, qui a l'air plus solide que les autres. J'ai encore failli tomber, c'est terrible. Oh, gros, abuse pas aussi. T'as même pas un petit peu mal. Ok. C'est compliqué. C'est compliqué, toutes ces histoires. Oh, j'avais oublié ça, putain. Incroyable, mais vrai. Regardez comme ce joueur, boxeur de métier, s'offre des difficultés. Ah, c'était compliqué, hein. Ouais, une cabane, y'a rien dedans. C'est pas possible. D'accord, ok. C'était un trap. C'était totalement un trap, les gars. C'était totalement un trap. Pas évident, pas évident, cette connerie, les gars. On a dû recommencer maintes et maintes fois. Qu'est-ce qu'on a? Yo. Oh! Oh! On peut save. Et on va s'arrêter là. Ah bah, je vous l'avais dit, les gars. Ah bah, je vous l'avais dit, pas de surprise. Eh, faites pas les surprises. Je vous vois, vous faites les surprises, ça me plaît pas. Vous savez que ça me fait mal au cœur. N'oubliez pas d'envoyer un maximum d'amour et de me dire les cadeaux que vous avez eu à Noël. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, bah, tenez-vous bien. Tenez-vous bien pour la suite et la fin de nos aventures. Je suppose que ça sera la fin. Ça fait déjà pas mal de temps. Je sais même pas combien il me reste. Ça se trouve, il va me rester 5 minutes. On va tous pleurer. On va tous pleurer. Ça se trouve, il va m'en rester 40. Mais le prochain épisode sera sûrement, je pense, le dernier. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.